Le scan politique, la nomination du député LaREM des Hauts-de-Seine au sein du gouvernement, en tant que secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, a été annoncé vendredi. À 42 ans, Adrien Taquet, député LaREM des Hauts-de-Seine, rejoint le gouvernement pour piloter la protection de l'enfance au poste de secrétaire d'État, placé sous l'autorité de la ministre de la Santé et de la Solidarité, Agnès Buzyn. Le jeune élu est un fidèle macroniste auquel certains attribuent la paternité du nom du mouvement En Marche. Le cadre a commencé sa carrière politique à Garches, en région parisienne. Il s'est rapproché du socialiste Dominique Strauss-Kahn après la défaite de Lionel Jospin en 2002, puis s'est investi aux côtés d'Emmanuel Macron dès 2015. Il a d'ailleurs profité de la vague de son élection pour décrocher un siège à l'Assemblée nationale, lors des législatives de 2017. Face à un candidat LR, il s'est qualifié au second tour avec plus de 63% des suffrages. Ses travaux à l'Assemblée ont été marqués par des interventions sur le handicap, l'autisme et la protection des personnes handicapées. Il s'était illustré le 11 octobre 2018 en votant contre une proposition de loi des Républicains sur le statut des accompagnants des élèves handicapés. Cela lui avait valu une charge virulente de François Ruffin, député de la France Insoumise. J'espère que le pays ne vous pardonnera pas, les noms des votants seront publics, avait menacé le parlementaire Ruffin dans l'hémicycle. Cible de deux activistes en novembre. Adrien Taquet a été aussi la cible de deux activistes en novembre 2018 qui lui reprochaient d'avoir voté la loi Elan et une réduction de l'accession des personnes à mobilité réduite au logement neuf. Chargé d'un rapport intitulé Plus simple la vie, il l'a remis au Premier ministre le 28 mai dernier. Depuis la fin de l'année 2018, il s'est beaucoup impliqué dans la campagne de Stanislas Guérini, lequel occupe le poste de délégué général de La République En Marche depuis le 1er décembre. Côté formation, Adrien Taquet est titulaire d'un DOI droit anglais, d'une maîtrise de droit public, d'un diplôme d'études juridiques et de Sciences Po Paris. Il a également obtenu un DEA en sociologie politique et obtenu un master aux États-Unis. Côté professionnel, il est passé par le groupe Ava et la communication chez Leg avant de participer à la fondation d'une agence de publicité, Jésus et Gabriel. Il aurait interrompu ses activités en arrivant à l'Assemblée. Adrien Taquet a enfin signé ou co-signé quelques ouvrages et tribunes, comme La politique et moi, Jeunes artistes en quête de politique, Plomb, Faut-il raser le palais Bourbon, Fondation Jean Jaurès. La violence sexuelle envers les femmes en situation de handicap est un tabou, La Croix, ou Les Français et la prison, Fondation Jean Jaurès.